Il y a 28 chevaux et 2 ânes, 8 chèvres, 2 cochons, 40 poules et coqs confondus, 3 lapins, 2 chiens et 3 chats. Ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait une grosse colocation. Les animaux sont une obsession depuis vraiment très 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 longtemps. J'ai toujours rêvé de vivre entouré d'eux, pas qu'une espèce. C'est ça aussi qui est un peu spécifique dans mon imaginaire et dans celui des gens qui m'entourent. C'est qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce, une rencontre vers un autre monde, d'autres perceptions sensorielles, une autre temporalité, d'autres besoins, d'autres aussi une façon de s'adapter à eux un petit peu différente. Après, j'ai fait de la philosophie. Ensuite, j'ai passé du temps à m'intéresser à l'éthologie. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin d'apprendre. Au tout début de Shenju, c'était surtout une école. C'est qu'à partir du moment où les enfants ont grandi, qui sont là, qui font partie maintenant de la compagnie, qui ont 30 ans, hein, la plupart, hein, c'est des très grands enfants, c'était une école. J'ai l'impression que les enfants qui viennent faire des stages ici, c'est parce qu'ils sont intéressés par un rapport différent aux animaux. Mais il y a aussi tout l'aspect ludique du cirque. Et on n'est jamais, c'est une école, on n'est jamais dans la performance. On est plus dans l'entraide, dans l'écoute, où il y a de la place pour chacun. Puis surtout, on gomme ce truc de compétition, c'est être ensemble, c'est de pas mettre de pression sur les animaux, peu sur les enfants, mais qu'ils apprennent des choses, enfin voilà. Tends la jambe du bas, tends de pied. Bravo. Bien. Pas mal. Je pensais que c'était faux. Dans cette école et cette compagnie, on a vraiment un truc très important avec la transmission. Où les plus jeunes, dès qu'ils savent un petit peu transmettre quelque chose, vont aider les plus petits, et puis ça va comme ça de niveau en niveau. Après, on se retrouve avec des vrais profs qui ont fait parfois une carrière ou dans les chevaux, ou dans le théâtre, ou dans le cirque. Voltaire, please, chat. Viens, Voltaire. Allonge-toi. Comme là, on a avec Théo et Miliev, qui sont, eux, en train d'animer des ateliers de trampoline, acrobatie et tout ça. On a beaucoup de chance de les avoir parmi nous. C'est des artistes de cirque qui ont fait vraiment leur métier, et en passant par le cirque Éloise, en passant par le Cirque du Soleil aussi, Chalon, enfin voilà, des écoles assez prestigieuses. Et ils reviennent un petit peu à la maison, toujours dans l'idée de cette transmission aux plus jeunes. Pas de salto, mets tes mains, oui, comme ça. Mets tes mains, pareil. Tourne. Et voilà, tu étais presque sur tes pieds. Ça, c'est juste parce que tu veux, là. OK? T'as la main. On va passer par là. Là. Les stages que Judith organise, en fait, ça me permet d'avoir accès à des jeunes passionnés par la nature, par les animaux et aussi du monde sauvage. Et puis comme on a l'hiver passé des loups qui sont venus dans la forêt où on est ici, en fait, ça nous permet de parler à ces jeunes et de les sensibiliser à la faune sauvage qui se tient proche de chez eux. Donc je pense que c'est une aubaine justement ces stages. Je vous laisse vous mettre là sur le chemin et puis moi je vais ouvrir la caméra et puis on va regarder sur l'ordinateur si on a des belles surprises de ce qui s'est passé la semaine passée. Alors, donc là, vous avez vu, il y a une caméra. Et puis en fait, cette caméra, c'est quand il y a un animal qui passe devant, une personne qui passe devant, ça déclenche la vidéo. Et ça, l'avantage, c'est que ça nous permet, s'il y a un animal qui passe sur le sentier là, de pouvoir voir si par hasard le loup est passé ou le lynx est passé. Et on a mis la caméra là parce qu'en fait, on a une croisée, vous avez vu. Donc s'il y a des animaux qui viennent de là et qui vont là-bas, ou s'ils viennent du champ et qui descendent, dans les deux cas, on les a. Vous avez entendu la buse ?
Ah, regardez. Là, il y a un jeune renard. Vous avez vu? Alors, ça, c'est elle. Elle a la queue toute fine. Hop là. Probablement, elle part en chasse pour aller chercher de la nourriture pour les jeunes. Et là, elle revient. Hop là, vous avez vu? Elle est toute fine et toute maigre parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour s'occuper des jeunes. J'ai Boucle d'Or, qui est la mère des loups de l'année passée. Regardez, et elle va venir marquer sur le petit arbre, juste là. Comme ça, elle marque aussi son territoire, puis après elle va continuer son chemin en remontant ici derrière. Et c'est ça notre travail. C'est mieux on connaît le loup, mieux on connaît ses déplacements, plus on pourra protéger les bêtes d'élevage et d'éviter que les loups ils viennent les attaquer. Où on apprend beaucoup à écouter, à observer, à essayer par soi-même, à reproduire certaines choses. Mais les méthodes, moi, me font peur. Parce que quand on a une méthode, on applique quelque chose, on applique un protocole. Mais souvent, avec les êtres vivants, il y en a qui ne rentrent pas dans cette méthode. Et on en fait quoi? On s'en sépare, on se dit que ce n'est pas pour eux. Moi, j'aime bien l'idée de parler plutôt d'approche que de méthode. Avec le vivant, j'ai l'impression que c'est plus adapté. Mais c'est personnel. Parce qu'après, parfois, d'un point de vue pédagogique, on est un peu plus... c'est plus fluctuant, on va parfois un peu à tâtons. Les cours ne se ressemblent pas tous. Et, on ne prépare pas toujours à l'avance ce qu'on va faire. On fait en fonction de ce que l'on sent par moment. Ce que tu peux faire au niveau du corps, qui dit code, ah bah tu peux venir. Mais vraiment petit. Parce que tu peux faire, ah, bah, viens. Et là, il va venir. Bon, d'accord. Mais c'est un peu trop, parce qu'avec le degré d'écoute qu'il a, il n'y a pas besoin. Tu lui montres, et il a compris. Puis tu essaies de tester la chose la plus fine, vraiment une proposition. Et si tu venais plutôt? Là, il se pose la question. Tu redis? Vraiment, tu cliques le pas. Parce que, de nouveau, là, j'ai pas cliqué le fait qu'il est venu, j'ai cliqué le fait qu'on se soit compris. Oui, bon, ben... Ouais. Ouais. Je te le rends. Néné. On n'a pas d'objectif pédagogique ultra clair. C'est-à-dire qu'on ne va pas former des enfants à passer un brevet de cavalier, par exemple. Ce n'est pas le but. Le but, ça va être plutôt peut-être un jour de trouver une forme artistique pour montrer, peut-être ne serait-ce qu'aux parents, ce qu'on a vécu ensemble. Détendez-vous. Hein. Puis vraiment, on essaye d'être un peu dans cette attitude que eux ont dès qu'on les laisse un peu tranquilles. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait? Puis on essaie de les garder avec nous. Venez. Basco, c'est mon cheval. Parce que j'ai eu peut-être une relation peut-être un peu privilégiée avec lui de par sa grande sensibilité et qu'il est arrivé dans ma vie quand j'ai perdu Belém. Belém, c'était un cheval avec lequel je travaillais beaucoup, qui était aussi mon cheval. Et que quand il est mort, on m'a dit, il faut que tu te retrouves un cheval. Puis, je suis tombée sur Basco, qui était tout ce que je n'aimais pas particulièrement. On a tous des critères parfois de beauté, machin. Puis je le vois, lui, dans un box, tout piteux, tout pas beau. Et je le sors, et puis je le prends au licol. Et puis là, je me dis, mais c'est quoi ce cheval? Il faisait pas un pas, il voyait des monstres partout, mais en même temps, il était tout près de moi, il se collait comme ça, et je sentais sa respiration, et puis il s'est passé un truc entre nous, et il avait une finesse extrême. Je dis, ok, bon, hop, 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 je crois que j'ai trouvé mon cheval. Tu me montres pique-nique. J'ai toujours préféré les chevaux à l'équitation. Bouge, c'est une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui vont sans doute
avoir des chevaux en vue de sauter, en vue de faire du dressage, en fonction de... Moi, c'est toujours eux, et les vieux sont toujours parmi nous. Enfin, c'est d'abord une histoire d'amitié, c'est une aventure commune, c'est des êtres qui font partie de la famille, ce sont des amis, enfin, c'est... Partager le quotidien des animaux, c'est partager des aventures avec eux, des spectacles parfois, d'enseigner avec eux aussi, de transmettre aux enfants ce rapport particulier qu'on a et qu'on peut peut-être avoir avec eux. Baladine, un truc incroyable avec les animaux, c'est qu'elle est née dedans. Alors que j'étais enceinte, j'ai jamais arrêté de monter à cheval. Dès que je suis sortie de l'hôpital, et ben j'avais mon bébé avec moi et j'étais avec les chevaux. Donc elle a vraiment ce truc, elle a un truc très très instinctif et elle les perçoit, elle les sent de façon assez incroyable. Patience avec ce grattage de l'antérieur gauche et tu demandes un petit piaffé. Voilà. Mais pas trop de pression, il est déjà bien là. Souple, détends les fesses, respire, lâche les mains. Oups, on reprend. Super, hein, vous avez une très belle écoute l'un de l'autre là. Seul chien qui tolère. Viens. Allez, on y va. Allez. Hop. On a tout là. Non. Ah, l'angoisse. Allez, hop. Alors, chef. Ça va? Dès qu'on a fini ce petit point, chacun va aller s'installer. Il y en a qui restent dormir là. 6 semaines, 7 semaines. Donc on a ce luxe d'avoir du temps pour répéter, chose qu'on n'a encore jamais eue dans notre histoire commune. C'est fou. Avec des pauses aussi. Je pense que dans le carton, non. En fait, il n'y en a aucune autre qui m'ira parce qu'on est deux. Il y a eu des projets artistiques très vite qui sont arrivés, d'abord au niveau de l'école, notamment avec les gens de la compagnie, avec Séverine, Dariouche, Romaine, Brian, enfin tous ces enfants qui ont grandi
et qui font maintenant partie de la compagnie. Et ces gens, en plus d'avoir ce côté artistique, ont en plus des vies à côté et des vies qui permettent d'enrichir en fait ce petit îlot, parce que sinon ce serait vite consanguin si on était tous toujours ensemble. Non, il y a des apports extérieurs et multiples. E-book. De répète, là, les affiches et les flyers. On regarde, on ouvre. Ils viennent de où ? Je sais pas, mais c'est le théâtre qui nous les envoie direct. Alors. C'est ce qu'on a quand on part toujours avec les français. Oui. Ah, je mets dans le bon sens. Dario. Oh, tu sais. Et voilà. Oh mon Dieu. C'est quelque chose, là. Il m'amène vers des mouvements, par son équilibre, par les pas qui tâtonnent comme ça. Et moi aussi, inversement, je fais pareil. Mais je deviens un peu le pantin du coq, qui est en fait perché sur une extrémité de mon corps, et puis qui m'invite à lever le bras, tourner la tête. Et je le fais parce que je sais que lui va chercher en fait un chemin pour aller chanter, pour aller se poser, pour aller peut-être... voir d'un peu plus haut. Je me dis que on partage un sens, on partage pas la parole, on partage pas forcément le même odorat, la même ouïe, la même vue, mais je crois qu'on va vers un partage d'équilibre. Et donc notre langage, il est là, il est sur l'équilibre en fait. C'est notre point de rencontre. Ça, c'est D-Book. Hein. C'est vraiment lui qui est devenu le book avec lequel je travaille le plus. Puis une vraie... ce qu'on peut vraiment, je pense, appeler une vraie relation d'amitié, avec tout ce que ça implique de haut et de bas. C'est une amitié, disons, assez franche, on va dire. De corne à corne, de corps à corps, d'engueulade, mais de très beaux moments aussi. C'est moi le chevrier, oui, c'est ça. Alors, mais après, c'est une responsabilité collective qu'on a aussi ici avec tous les animaux. C'est pas parce que je travaille un petit peu moins avec les chevaux, surtout ces derniers temps, avec les arrivées qu'on a eues, qu'on n'a pas tous un regard tout le temps sur tous les animaux. Le travail de la compagnie, ça s'apparente un peu à un travail de laboratoire, mais pas un travail de laboratoire où on ferait des expériences invasives sur les animaux, mais l'idée de laboratoire, c'est l'idée de recherche permanente et d'évolution. Donc ça évolue, on a des utopies, des idéaux, on fait des tentatives d'eux, et puis au gré de ce faire, ben, on doit continuellement modifier les choses. La frontière, est-ce que c'est du dressage? Est-ce que c'est de l'apprentissage? À partir de quel moment
même le fait de se dire dresser ou pas un animal, est-ce que c'est correct ou pas? Est-ce qu'on dresse aussi parfois des humains dans certaines situations? Quelle est la frontière entre le dressage, l'apprentissage, l'échange? Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? En échange, je te donne ça. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est le prochain spectacle qu'on va créer. On va vraiment interroger ces choses-là. On n'a pas la réponse. On ne sait pas ici si on dresse ou si on apprend des choses aux animaux. C'est un peu une question qu'on se pose. C'est ça. Je dois aussi voir niveau timing. Enfin, faut que je mais sente c'est peut-être une histoire de peau. C'est une histoire de d'être accepté. C'est une histoire. Tous ces exercices, je ne vais pas les faire parce que je vais me prendre des râteaux, je ne le connais pas assez. Mais c'est tous ces moments où tu vas, la façon dont tu peux poser la main, ce qui est acceptable ou pas, ouais. Comment. Maintenant, je le fais systématiquement. Quand dans la stabu, je viens et je le. Avant, tu sais, la tête, il était très. Ouais, oui. Et là, je le prends juste, je lui fais des caresses et il bouge vraiment de moins en moins. Comment tu vas avec? Et je commence toujours avec la tête droite, gauche. Et c'est, il accepte beaucoup plus, justement. Toujours la priorité, c'est de laisser les animaux évoluer. Et puis nous, on ramène une certaine énergie ou des présences en fonction de ce qui se passe sur le plateau. Et on part du principe que les animaux ont toujours raison et tout ce qu'ils font est OK et qu'on s'adapte à eux et non pas l'inverse. On va juste reprendre Dibouk et Baruch, faire l'entrée de Dariush et puis continuer. J'ai envie que ce soit un espace de liberté quand même, et pour les animaux, et pour les humains qui sont à l'intérieur, et d'amener les spectateurs à réfléchir avec nous, comprendre que ce qu'on vit là tous ensemble, c'est une expérience. Et de les prendre avec nous dans le questionnement. J'aime bien parler du nous, du on, de tout ça, parce que toute seule, moi, je peux rien faire. Rien, rien, rien. Tout s'effondre si je me retrouve toute seule. C'est pas possible, c'est trop énorme, c'est trop. Puis ce serait. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis nourrie par les autres et j'ai l'impression que ça doit être une forme d'échange permanente. Et réfléchir à plusieurs, c'est génial.